Cristiana Reali est née à São Paulo, au Brésil. Arrivée en France dans sa jeunesse avec ses parents et ses sœurs, elle n'est jamais repartie. Dans Sur scène avec, nouveau format original de Webedia, la comédienne qui incarne le rôle de Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir au Théâtre des Bouffes Parisiens, explique pourquoi elle a fait le choix de rester en France. La suite après la publicité le jour de sa naissance, le 16 mars 1965 à São Paulo, Cristiana Reali ne savait pas encore quel bel avenir lui était destiné. Un avenir majestueux qui s'est principalement construit en France et non sur ses terres natales à tout jamais dans son cœur. Alors qu'elle n'est qu'une enfant, Cristiana Reali quitte le Brésil avec ses parents et ses sœurs. Un déménagement motivé par son père qui est journaliste de profession. Afin de s'intégrer au mieux et parler la langue nationale qu'elle ne maîtrise pas encore très bien, la jeune fille suit des cours de théâtre avec ses sœurs. Un premier contact avec le spectacle vivant qui fera naître quelques années plus tard une véritable passion chez elle. Le cours Florent, un petit job et un petit copain pour Cristiana Reali au Théâtre des Bouffes Parisiens depuis le 31 janvier, et ce jusqu'au 25 mai prochain, pour incarner avec brio Blanche Dubois dans un tramway nommé Désir, pièce écrite par Tennessee Williams et mise en scène par Pauline Susini, Cristiana Reali revient sur son parcours dans le premier épisode de Sur scène avec. Dans ce nouveau format original de Webedia, la comédienne explique pourquoi elle n'est jamais rentrée au Brésil et ce qui l'a décidé à rester en France. C'est le théâtre qui m'a fait rester aussi en France parce que j'ai fait du droit. J'allais rentrer au Brésil et il fallait que je fasse quelque chose qui puisse être suivi et le droit français, même si ce n'est pas le même qu'au Brésil, était très reconnu, donc si je devais continuer la fac là-bas. Confie la maman de Lisa et Toscane en préambule avant de détailler un peu plus son choix. J'ai décidé de tout arrêter, j'ai trouvé un petit job, je me suis inscrite au cours Florent, j'ai eu un an après la classe libre donc je n'avais plus l'école à payer, poursuit Cristiana Reali, en précisant que dans sa vie se trouvait également un petit copain. Ça m'a aidé à décider de ma vie, ajoute-t-elle en revenant sur la place tenue par le théâtre dans son choix de rester en France. Personnage emblématique du spectacle vivant, Cristiana Reali vit ses dernières représentations d'un tramway nommé Désir au Théâtre des Bouffes Parisiens. La pièce se joue jusqu'au 25 mai prochain, l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir la comédienne saisissante dans ce rôle qui lui a permis de décrocher le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé le 6 mai dernier lors de la 35e Nuit des Molières. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People.